monsieur, bonsoir. Bonsoir, 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 bonjour. Hello. Hello ici également, bonjour là. Bonjour. Ravi de vous recevoir, vous êtes tranquillement installé à la maison. Aujourd'hui, un mot interdit un petit peu plus tard dans cette émission. Pour l'instant, écoutez bien et regardez ceci. Disons que je commencerai par un petit footing, histoire de me mettre en jambes. Un parcours de golf ou une plongée par palier successif. Un petit tennis. Revers, coup droit, revers. Oh, je sens que le temps se gâte. On verra demain. Mesdames, messieurs, cette ravissante jeune femme s'appelle Carole. La voici. Cette grande et ravissante jeune femme. Bonsoir Carole, ravie de vous recevoir. Un accueil extrêmement chaleureux, s'il vous plaît. Comment ça va ? Hop. Très très bien. On est ravis de vous recevoir, Carole. Merci. Je sais que vous allez, dès la fin de cette émission, sauter dans un avion. Donc, de toute façon, on va respecter l'horaire, puisque d'ici quelques minutes, enfin, évidemment, à la fin de cette émission, il y a le journal. Carole, on va parler un petit peu de votre métier, de vous, de votre vie, tout ce qui fait votre métier. Vous êtes modèle, vous nous raconterez tout à l'heure comment ça se passe, ce que vous préférez, les choses que vous aimez ou pas. Pour l'instant, nous allons rejoindre immédiatement un camarade à vous, très certainement, Bernard Bélis, et surtout Patrice Carmouze. C'est parti. Très bien. Pas très sérieux. Je sais pas, ça s'est arrêté brusquement. Ça a arrêté brutalement. Oui. Patrice, Carole, Carole, Patrice, vous avez une petite fourrette, Carole, pour mettre votre micro à l'intérieur. Et Bernard Bélis, the champion of the magic, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Si. Si, si. Trois, deux, trois jours. Oui, c'est ça. La semaine dernière, c'est ça. Quand Bernard est là, ça va moins vite, la table. Je ne sais pas pourquoi. Mais on fait contrepoids. Carole, vous avez déjà assisté à des choses tout à fait exceptionnelles encore. On me fait un petit signe. Il faudra mettre une cale, comme ça. Carole, avez-vous déjà assisté à des choses tout à fait exceptionnelles en matière de magie, par exemple? Non, pas vraiment. Non. C'est aujourd'hui. Vous aimez c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça arrive. Ouais. C'est vrai, vous aimez ça? Vous êtes facilement impressionnable? Très impressionnable. Je connais deux, trois tours. Alors, Bernard. Bien, une petite énigme. Et une petite énigme. Voilà, j'ai ici un verre. L'assiette, c'est juste pour qu'on le renverse. Voilà. On met de l'eau dans le verre. Et regardez bien, si on met un bouchon comme ceci, vous voyez que petit à petit, il vient obligatoirement contre un bord. Hein, vous pouvez le remettre, le centrer, essayer de le caler comme ceci, vous apercevrez que tout le temps, il retourne contre le bord. Toujours. Toujours. Quelle que soit la surface de l'eau. Voilà, mais tout à fait. Si je mets un grand machin comme ça, mettez-le là-dedans pour voir. Ah, exactement pareil. Ouais. Vous allez voir que petit à petit, il va se diriger. Touchez rien. Non, je touche rien. Votre il va obligatoirement vers un des bords. C'est très très drôle, ça. D'accord. Et pourquoi est-ce? Ah, ben ça, attendez, le pari, je ne vous ai pas encore parlé du pari, le pari consiste justement à arriver à le faire flotter au centre, comme ceci. Ouais. Eh ben, Carole, elle va faire ça. Alors, là, il ne flotte pas au centre, il revient en bord. Non, non. Alors, allez, vous pouvez essayer, allez-y. Voilà. C'est-à-dire que si vous n'y arrivez pas, l'émission est foutue. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, je vais juste ça. Allez-y, ben, je ne sais pas. Ah, ben non, Carole, il faut trouver un truc. Mais oui, non, mais. Mettez-le verticalement pour voir. Ça le faire flotter au milieu du verre. Attendez, Bernard. Allez-y. On peut utiliser quelque chose d'autre ou pas? Là, c'est bon. Là, il n'est pas au bord du tout, donc Carole. Là, c'est-à-dire que vous avez une grosse crotte dans l'œil, alors, parce qu'il est collé. Collé au verre. Bah écoutez, je sais pas. Eh ben, on en reparle tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Ah oui? Oui, tout à l'heure, non? Oui, tout à l'heure. C'est pour faire monter la sauce. Voilà. Mais c'est possible? C'est tout sans à fait artifice. Possible. Sans artifice. Sans mettre un doigt de pied, un machin. Un doigt de pied, non, non. Non, non. Ok, non. Merci. On va rejoindre immédiatement Mademoiselle Actualité, qui est donc la vie de Carole. Absolument. Carole, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes modèle. Comment on dit? Oui, on dit modèle. Mannequin. Ouais, mannequin. Mannequin ouais. Depuis combien de temps? Depuis 5 ans. C'est-à-dire que vous avez commencé à 43 ans. C'est ça, oui. C'est ça. Hein. Non, 18 ans. 18 ans. Ouais. Je suis arrivée à Paris, j'ai gagné un concours. Le concours 20 ans, et voilà. Donc, ah, vous avez fait un concours. C'était quoi le concours? Le concours, par le journal 20 ans. Par le journal 20 ans, il fallait envoyer 3 photos. Et plan serré, plan large, tout ça, pour montrer un peu comment on était physiquement. Et ensuite, j'ai sélectionné les 100 premières. Et les 3 premières, je suis arrivée à Paris. Et puis, ça m'a permis d'arriver à Paris avec des photos. C'est-à-dire que vous aviez la volonté d'être mannequin très jeune? Oui, j'avais envie. Pourquoi? Parce que mes parents avaient des magasins de vêtements en France, dans le sud de la France. Vous êtes du sud. Du centre de la France, ouais, près de Lyon. Et en fait,
tout le temps, on me disait, ah, c'est bien, elle est grande, elle pourrait être mannequin, tout ça. Et voilà, ça a marché. Elle est grande, bon, c'est dommage qu'elle soit moche, parce que... Mais elle a la taille. Oui, c'est non, ça, non, ouais. Mais voilà. Patrice ? On s'arrange. Vous faites... Moi, j'ai pas la taille, c'est le problème. Vous choisissez les publicités ou les défilés que vous faites ? Enfin, il y a des choses que vous préférez, les vêtements, les sous-vêtements, les... Oui, en général, je suis plus... sous-vêtements ? Plus publicité, mode. Je fais beaucoup de sous-vêtements. Et oui, j'ai une campagne de lingerie que j'ai depuis 5 ans, qui s'appelle Lou. Et voilà, quoi, ça fait 5 ans que je fais cette campagne et ça marche très très bien. Sportive ? Sportive. Qu'est-ce que vous faites comme sport ? Non, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait du basket pendant 10 ans. Ah, c'est pour ça ? Parce que vous étiez grande. Non, je ne sais pas si c'est pour ça, mais non, j'ai fait du basket pendant 10 ans, de la danse pendant 10 ans aussi, et du cheval, ouais, voilà. Ah oui, oui, donc... Non, j'adore le sport, oui. Ouais, comme Patrice. Oui. Ouais. Ah. On va voir quelques photos, si ça fait... Donc ça, c'est une de vos amies ? Non, c'est vous. C'est moi, ouais. Ça, c'est en noir et blanc. Quelle est la différence pour vous entre travailler en noir et blanc ou en couleur ? Est-ce que vous y attachez de l'importance ? On va s'arrêter quelques secondes sur celle-là. Non, moi, j'aime bien le noir et blanc. Ouais, c'est plus joli, c'est très contraste et ça fait toujours une belle peau, tout ça. Bon, maintenant, la couleur aussi, c'est très beau. J'aime les deux, quoi. Quelles couleurs sont vos yeux ? Bleu-vert. Bleu-vert. On va regarder une autre photo, s'il vous plaît. Ah non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une photo que vous aimez ? J'adore cette photo, oui. Ouais, elle a été longue à faire, à choisir la lumière et puis la position, mais j'aime beaucoup cette photo. Moi aussi. On va regarder une autre photo, s'il vous plaît. Celle-ci. Oui, celle-ci aussi. Est-ce que vous avez l'impression de vous reconnaître à chaque fois dans toutes ces photos-là ? Complètement, c'est ça mon truc. En fait, c'est qu'à chaque fois quand je fais des photos, c'est moi. Ouais. Sur chaque photo, quand vous pouvez regarder, c'est nature, c'est le sourire. Il n'y a jamais une position un peu sexy, genre... Il y a un côté acteur quand même, non ? Comment ? Il y a un côté acteur quand on est... Ah oui, complètement, surtout dans les films. Ouais, on me demande de jouer un personnage, tout ça, mais, non, mais en général, on me prend pour le côté naturel, sympa. Mais est-ce qu'il arrive qu'on prenne des modèles ou des mannequins pour leur côté antinaturel, antipathique et tout ça ? Non, en général, on cherche chez vous quand même, qui est toujours un peu de beauté et tout ça. Oui, non, mais on a essayé aussi beaucoup de me changer dans mon style, de faire des choses un peu plus sophistiquées, genre avec des perruques brunes, très très maquillées. Bon, ça passe, hein, ça passe, ça va, mais... Même des gants en caoutchouc avec vous, ça passe. Hein, Merci. C'est pas votre truc favori. Non, c'est pas mon truc favori. Ça fait des fois. Faites-nous un sourire, comme si, par exemple, on est photographe tous les deux. Moi, je suis assistant du grand maître et je prune, poutonne le photographe. Il claque. Alors, vas-y, chérie, fais-nous un sourire. Un beau sourire, charmant. Et tout comme ça, voilà. Ah, c'est vraiment naturel. C'est naturel, oui. Ah, ouais. Non, à chaque fois, c'est naturel. Non. À chaque fois que je fais des photos. Sans se forcer. Sans se forcer. Pardon, pour être bien sur des photos, quand même, d'accord, il faut être naturel, mais il faut le savoir le faire. Ça s'apprend. Mais non, c'est les naturels. Oui. Non, pour moi, j'ai. Non, mais non, j'ai eu la chance. Être naturel, non ? En fait, ça a commencé comme ça. J'ai fait des photos avec un photographe français. Et il a vu tout de suite, il a essayé de me faire poser, de donner un look un peu sévère et tout ça. Et ça n'a pas du tout marché. Et quand il. Bon, alors vas-y, souris, c'est ton truc à toi, souris. Puis bon, c'est venu comme ça. Et quand on regarde mon book, en fait, c'est ça, c'est mon atout, quoi. Mm-hmm. C'est le sourire, c'est le côté nature. Et bon, après. Et le corps, à part le sourire, le corps est important aussi. Le corps est important aussi, ouais. 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 Ça va. Ouais. Oui, je sais que ça va, oui, je sais. Oui, naturellement aussi également. Oui, vous faites très attention, régime, tout ça, ou vous mangez n'importe quoi, vous vivez normalement ? Je vis normalement, je mange bien, je viens du sud de la France, enfin du centre de la France près de Lyon. Il y a de très bonnes choses là-bas, genre des gratins dauphinois. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus grossissant encore. Non, mais bon, pas mal quand même. Ouais. Enfin, mais vous supportez. Ça, j'adore. Ouais. Très bien. J'adore manger. Alors, je veux dire, je ne sais pas faire grand-chose en cuisine, mais le gratin dauphinois, comme ça, moi, je fais. Ouais. Ah, ouais, sympa. Ouais. On va se revoir alors. Ça, la magie. Enfin, vous allez voir, j'ai deux, trois trucs. On va regarder des images en noir et blanc qu'un de vos amis a fait de vous. Alors, c'est vous un peu plus dans le privé, tout ça. C'est très glamour, c'est très joli. Ouais. Si vous voulez nous le commenter, c'est vous-même. Hein. Avec donc les cheveux un peu plus longs, vous les avez les coupés. Les cheveux longs, ouais, je les ai coupés il y a 2 mois. Ouais. Non, ça, c'était. C'est un ami qui a fait ça sur moi, une cassette que je présente quand je ne suis pas là, sur des publicités, quand il y a des options, tout ça. Et... Enfin, on préfère vous avoir là qu'avoir juste la cassette, nous. Hein. Ça dit, votre ami est gentil quand même, et puis c'est joli. Très joli. Ouais, c'est très beau. Ouais, c'est très beau. Non, c'est une des plus belles choses que j'ai faites, je crois, dans le métier depuis 5 ans. Ouais, je sais très bien filmer aussi, moi. Vous aimez la mer aussi ? Ouais. Voilà. On a plus au bord de la mer. Mais là, c'est vraiment moi. J'ai fait mes coiffures, mon maquillage. Il n'y a pratiquement rien. C'est la lumière naturelle. Et c'est magnifique. Ça vous plaît ? Des images comme on aimerait en voir plus souvent. ouais. C'est juste pour vous, cette cassette. Hein, Ouais, non, c'est pour moi. C'est ma cassette. J'avais pas compris. Pardon.
Et bien sûr, nous passons immédiatement à la suite, Patrice. Bon, on va passer à la publicité. Oui, vous avez qu'à nous l'envoyer, la publicité. Ah non, excuse-moi, Carole va le faire en gros plan. Regardez, un magnifique gros plan. Ici ? Alors voilà, genre, une émission américaine, on veut un truc assez chaud, et chaleureux. Attends, il faut que j'enlève ma veste, alors. Voilà, si vous voulez. Okay. Why not ? Alors, un truc, vous êtes très, très chic, très soft comme ça, mais éventuellement, dans le regard, on peut sentir un truc chaud, énervant, et on envoie la pub. Attention. Sur la 3. Ok, alors, la pub. excusez-moi, allez-y, là. Non, pour la suite, c'est la publicité, voilà. Voilà, ça c'est pas encore tout à fait sexe, non, mais on va faire pour le prochain lancement. Pour le prochain lancement. A tout de suite, mesdames, messieurs. Applaudissements pour Carole, Patrice et tout le team. A tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au sein de la Maison de la Radio avec la ravissante Carole qui nous accompagne. Et Philippe Collignon, Patrice, qui nous a rejoint. Mais avant Philippe Collignon, on va partir pour un petit voyage. Oui, je voudrais juste vous faire une petite annonce, puisque le samedi 2 avril, c'est-à-dire samedi, lors de sa dernière soirée au Palais des Glaces, Patrick Timsit fait une deuxième représentation à 23h, alors qu'il en fait une seule d'habitude vers 20h30, 21h. Et tous les bénéfices de cette deuxième représentation iront à l'opération Sidaction. Donc voilà, c'est au Palais des Glaces, c'est sa dernière soirée, et il en fait une deuxième donc à 23h. Voilà, à 23h. Patrice, c'est une bonne soirée donc. Ouais, oui, c'est alors, clair. Et si en plus on veut gagner un séjour, ça n'a rien à voir. Un séjour d'une semaine pour mais pour l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, si vous avez un mini, si vous voulez voir Timsit en deuxième soirée, et vous êtes sûr de passer une bonne soirée, faut y aller. Et si en plus vous avez un Minitel et que vous voulez gagner une semaine, enfin non, c'est pas le genre à vouloir gagner une semaine à Guadeloupe, il va sans arrêt pour bosser. Si tu veux. Ah. Si vous voulez aller voir. Si vous voulez une semaine en banlieue nord. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Ah, on peut peut-être essayer de vous faire gagner une semaine. Ouais, c'est clair. Ouais, il y en a. Gagner un séjour d'une semaine pour deux en Guadeloupe, mesdames, messieurs. Vous vous envolerez avec AOM pour Pointe-à-Pitre. Et c'est avec Bleu que vous séjournerez à la plantation Sainte-Marthe, un hôtel de luxe 4 étoiles où vous profiterez de tous les plaisirs de la même air. 30 degrés à l'ombre. Il n'y a pas d'arbre, donc c'est vraiment 30 degrés. Hein. Il y a une piscine de 900 mètres carrés. Oui, 900 mètres carrés. Immense, ça. Et qui sera alors formidable dès qu'elle sera remplie, évidemment. C'est 36-15. Côté TF1, rubrique coucou, et vous ne serez pas déçus du voyage. Voilà. Je plaisantais évidemment, tout ça est en bon ordre. Philippe Collignon, bonjour. Bonsoir. Vous aimez sûrement les. Vous avez la main verte ? Vous tripotez les jardins, vous faites un des fleurs. Ouais. Un petit peu, oui. Mes parents ont un grand jardin, donc. Et vous y travaillez dedans, quelquefois ? Oui, de temps en temps. Vous avez surveillé. J'ai planté des fleurs et tout ça. Ouais. Ça pousse ? Ça pousse. Ouais. Alors, Philippe Collignon, oui, les fleurs, ça pousse. Ça pousse. C'est clair. Alors, ce soir, on va parler de belle-mère. De Pierre Bellemare. Voilà, ouais. De Bellemare et de plantes. Ouais. Puisque on sait que. Est-ce que vous connaissez le langage des fleurs et des plantes ? Bien sûr, bonjour, ça va. How are you ? Very fine and you. Very fine, ok. You want a club ? Flowers, no, thank you, I don't smoke. Ouais, je connais. Ok. Because the flowers are speaking in English every time. Donc l'amour pur, Christophe. Comment ça, l'amour pur ? Ça, c'est l'amour pur. Ah oui. Quelle est la fleur qui signifie l'amour pur ? La rose. Quelle couleur ? Rouge, blanche. Blanche, 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 blanche bien blanche. Sûr. Blanche. Là, j'ai dit. Oui, c'est bon. Rouge. Non, j'ai rouge, blanche. Voilà. Et rouge, ça signifie quoi ? Rouge, c'est l'amour intense. C'est l'amour. Ouais. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon. Ouais. Alors, donc, j'ai écrit un petit texte sur les belles-mères. C'est-à-dire que si c'est rouge et blanc, c'est pur et intense. Voilà. Ah oui, donc, si par exemple, vraiment, pure hypothèse de travail, si je tombais red fou amoureux de Carole, vraiment. Pure hypothèse. Si je lui envoyais un bouquet de roses mix, ça voudrait dire vraiment je t'aime purement et. De et passionnément. Et passionnément. Et passionnément. Alors j'ai écrit un petit texte. Et si je lui envoie ça, comme ça ? Alors ça, c'est l'égoïsme. Ah, ouais. Ah d'accord. I love you. Je vais la garder. Alors, pourquoi les belles-mères, pardon ? Alors pourquoi les belles-mères ? Parce que j'ai trouvé que c'était sympa et puis il y a pas mal de plantes qui représentent les belles-mères. C'est-à-dire que vous avez un plan, vous voulez récupérer, rattraper un truc avec votre belle-mère ? Voilà, non pas du tout, je pense qu'il y a pas mal de belles-mères qui vont se reconnaître, des belles-filles, des beaux-fils également qui vont se reconnaître. Je vais m'adresser aux belles-mères. Pourquoi parfois êtes-vous si sombre et si impénétrable, si coriace comme cette plante de belle-mère ? Alors j'ai amené la plante de belle-mère, c'est cette plante, regardez Christophe, vous pouvez... Ça s'appelle une feuille hein, pour moi. Oui, non, mais elle est là la plante. C'est une plante qui est, je voulais dire... C'est un coco. Elle ne peut pas mourir, cette plante. On peut oublier de l'arroser pendant 6 mois. Si vous n'avez pas la main verte, investissez dans cette plante. Elle est empêchez votre belle-mère de boire un coup dès que pendant 6 mois, vous allez voir. C'est la belle-mère, celle-là. Voilà, c'est la plante de belle-mère. C'est-à-dire que... Elle s'appelle plante de belle-mère. Oui, mais on ne peut pas empêcher de manger une belle-mère pendant 6 mois. Non, mais elle est très coriace, très dure, comme certaines belles-mères. Certaines belles-mères. Certaines belles-mères. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, non ? Voilà, oui. Alors, je m'adresse toujours belle-mère. Ne soyez pas trop égoïste, matérialisé par la Narcisse.
Hein. Oui, bien sûr. Et souvenez-vous, matérialisé par la pensée. Bien sûr, très jolie pensée. Alors ça, moi, je déteste quand ça. Vous étiez une jeune fille avec... Vous aimez ça, vous? Ah, j'aime pas trop. Non, pas. Alors, quand la... Alors, quand vous étiez une jeune fille avec votre beauté naissance et que vous déclariez votre amour ardent, donc déclaré par la rose rouge... Alors ça, c'est vraiment ardent. C'est... Voilà. Doucement les épines. Ça pique. Ça sent... À l'homme qui aujourd'hui partage votre vie, ayez confiance aussi en nous, donc matérialisé par l'iris. L'iris, ça c'est joli, ça c'est beau. Quand il y en a, quand il y a une grosse touffe. Beaucoup, ouais, ouais. Beaucoup. Ouais. Et ne soyez pas inquiet. Oh, dis donc, s'il vous plaît. Oh, S'il vous plaît. Et je vous signale que regardez avec vos yeux, regardez le gros plan, regardez le gros plan. Ça va bien. Temps sur temps. Alors, et ne soyez pas inquiète, c'est matérialisé par le lys, l'inquiétude. Ah ouais, pourquoi? Ben, c'est le langage floral du lys, c'est l'inquiétude. Ah ça, c'est pas vous qui le dites. Non, non, c'est un langage établi hein, dans nos relations. Alors, ne voyez pas le danger là où il naît. Et, là où il naît. Ou là où il naît. Et ne nous faites pas mentir que parfois vous manquez de franchise. Donc franchise, c'est matérialisé par la fougère qui est ici. Oui, bien sûr. Ça, j'aime beaucoup. La fameuse fougère de la franchise. Merci. Et ne nous faites pas mentir également si vous avez une grande langue. Alors, il y a une plante qui symbolise la langue de belle-mère, c'est celle-ci. Ah, la langue de belle-mère. Et c'est boum. Donc là, c'est une grande langue. C'est dans laquelle on souffle, celle-là, non? Ça, c'est même une langue vrillée, ça. Hein. C'est pour lécher dans les coins. Voilà. C'est lourd. C'est lourd, oui. Oui, oui. C'est chargé en plus, hein. Une langue chargée, oui. Ouais, c'est... Très lourd. Alors, ne jugez pas notre amour... Dis donc, vous êtes gentil, on ne va pas vous débarrasser de tout, parce que évidemment, on va plus savoir où se mettre. Non, mais si, on peut le mettre dans... Oui, si, oui. Pas de alors, problème. Ne jugez pas notre... Ne jugez pas notre... Ne jugez pas notre amour pur, donc matérialisé par la rose blanche, l'amour pur. Petit amour pur, là. Petit amour pur, c'est les premières roses. Petit amour, petit pur. Mais... Quand même. Toujours là. Ouais. Alors, comme une dissimulation, donc la dissimulation, c'est l'aconitum. Ah oui. Incognitum. On dit toujours, elle se dissimule comme un aconitum. Voilà. Fameuse expression. Fameuse expression. Ou même une infidélité, matérialisée par la rose jaune, cette fois-ci. C'est-à-dire, si j'envoie un bouquet de rose jaune, ça veut dire, je te trompe. Si vous utilisez le langage des fleurs, oui. Oui, évidemment. Si j'emploie le langage des machines à laver, c'est sûr, c'est pas pareil. Ça, c'est sûr. Donc, faut faire attention. Alors, il faut souvent, et ça, c'est important, vous séduire avant votre enfant, donc la séduction matérialisée par la... Oui, il faut séduire la belle-mère avant la belle-mère avant de séduire la fille. Mmh. Bien sûr. C'est quoi ça, voilà. C'est de l'eau, Patrice. C'est de l'eau et une tige. Ça permet que c'est bon. À la fleur de laisser la fleur en vie. C'est bien, non, ça? Oui, puis non, puis on ne se rendait pas compte de ce que c'était, c'est sûr. Ah ouais, je connais, ouais. Bah oui. Ah bon, alors, mais si, alors ça, je voudrais terminer par... C'est pas un suppôt fleuri. Bah oui, mais ça serait joli. Voilà, ce serait assez joli. Hop, un suppôt et au lit avec une rose. Alors, mais si la folie nous prend, la folie matérialisée par l'encolie... Ah, ça c'est beau, hein. L'encolie, mélancolie, ça vient de... Mélancolie, ça vient de là, non? Oui. Mélancolie. Mélancolie dans le vase. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Elle est très belle. Alors, merci. Avec le suppôt. Avec le suppôt, oui. Alors, mais si la folie nous prend, il se peut que vous finissiez sur le coussin de belle-mère. Ça non plus, c'est pas un suppôt. Ça, c'est un coussin de belle-mère. Alors, ça s'appelle, c'est un cactus, oui, qu'on appelle coussin de belle-mère. Qui pique? Oui. Qui pique. Ah oui, qui pique, oui. Ah, qui pique pas tant que ça. C'est qui pique un peu quand même. Alors, sinon, je vais quand même conclure par, quand même, on vous aime, les belles-mères, quand même, parce que si vous n'étiez pas là, on n'aurait pas pu faire cette rubrique. Et puis, je voudrais offrir toutes C'est surtout que si elles n'étaient pas là, on n'aurait pas pu rencontrer les filles. Je voudrais, avec fierté... Hein? Pardon? C'est surtout si elles ne sont pas là, les belles-mères, il n'y a pas de filles, donc... Voilà, aussi. Et je voudrais, avec fierté, vous offrir fierté matérialisée par la Marie-Lise, vous offrir toutes ces fleurs. Merci, c'est gentil. Ah, ça, c'est un beau bouquet, Pierre. Oui, c'est bien rangé. Ah, ça va si méchant que ça. Non, mais non, c'est mignon. Hey, c'est le geste qui compte. C'est pour vous. Avec amour et tendresse. Et bien ça aussi, je boum. C'est Philippe. Philippe. Voilà, c'est sera tout. Quel poète. Merci Philippe Collignon. Applaudissements, s'il vous plaît. La vie n'est pas facile, toujours. Patrice. Les questions téléspectateurs pour Carole. Questions téléspectateurs pour Carole. On m'annonce le chiffre que vous avez été... 172 562 à téléphoner aujourd'hui pour Carole. Nous ne pourrons prendre que deux ou trois questions. La première, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Allô? Oui. Allô? Oui, je m'appelle Michel, j'appelle de Sallanches, en Haute-Savoie. Sallanches, en Haute-Savoie, un petit village en bas des stations. Tout à fait. Michel, donc, vous êtes le père? Non, je ne suis pas la mère, en tout cas. Non, Michel, posez votre question. Je voulais savoir ce que Carole attend d'un homme. Mais j'entends des enfants, qu'est-ce que ça peut vous faire? J'entends des enfants. Non, j'entends des enfants derrière vous. Oui, oui, mais il y en a tout un paquet. Et ça ne vous empêche pas de demander à Carole ce que vous attendez, ce qu'elle attend d'un homme. D'un homme, voilà, avec ou sans enfant. D'accord. Alors, ce que j'attends d'un homme,
C'est beaucoup d'humour. Ben, ça marche. Voilà. Beaucoup d'humour avant tout. Ça marche, c'est une fille. Ça marche, j'en ai une bien bonne. Et puis, puis voilà, quoi. Et puis, que de l'humour. Pas d'hypocrisie, qu'il soit pas radin, surtout. Pour ça, un homme, c'est terrible. Ouais. Ouais. Et ben voilà, quoi, qu'il soit... Brun. Barbu. Non, monsieur pas barbu. Ah, il est barbu. Barbu, pas trop, non. Non. Désolé, Michel. Désolé. Bien tenté. Savoyard. au revoir, Michel. Au revoir. Au revoir, merci. Et merci d'avoir participé. L'essentiel, c'est de tenter, en tout cas. Merci, Michel. Merci beaucoup. Au revoir. Et pas trop grand, non plus. Vous avez oublié de dire pas immense, quoi, pas ridicule. Non, pas trop grand, non. Les grands, sont, en général, c'est... Sont couillons. Je suis assez d'accord. On va prendre une deuxième question pour Carole. Votre prénom. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Carole. Bonsoir. Combien mesurez-vous? Alors, c'est Gilles. Combien mesurez-vous, Gilles? Hein? Combien mesurez-vous, Gilles? Ah, 1m80. Au revoir, Gilles. Ça va. Ah non, au contraire. Vous pouvez rester. Ça va. Vous pouvez rester. Il ne fera pas de mal. Allez-y, Gilles. Alors, posez une question. Question pour Carole. Alors, avez-vous déjà pensé à votre reconversion? Oui, j'y pense. Oui, bien sûr. À 23 ans. À 23 ans, oui, ouais, bien sûr, il fait penser, on est, c'est rapide, hein. On a un métier qui se fait entre 20-30 ans, et après il faut penser à autre chose, bon, j'ai envie de faire des enfants, ça c'est sûr, et ensuite... c'est pas une reconversion ça tout à fait. Non, c'est, pas, ensuite, non, non. C'est pas un métier. C'est, hein. C'est pas un métier, mais bon, il faut ça, y ça penser. Ça peut devenir occupant, mais c'est pas un métier. Voilà. Et ensuite, non, j'aime bien le cinéma, j'ai envie de faire de la comédie, voilà, j'ai essayé un peu le théâtre avant de faire mannequin. Et bon, ça se passait bien, donc pourquoi pas, quoi. Puis je passe bien à la caméra, j'aime bien ça. Donc, dans les films, pubs que j'ai faudrait pu que faire. Vous puissiez rencontrer un type hyper sympa qui puisse éventuellement vous donner deux, trois conseils. Peut-être, si ça se fait comme un ça. Un type du métier, quoi, qui puisse partager un peu avec vous ce plaisir du métier. Ouais, ouais, non, peut-être. Ouais. Au revoir, gars. Au revoir, jeune homme. Au revoir. Merci. Ça vous va comme réponse? Oui, oui, très, très, très bien. Eh bien, super sympa. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Ciao. Troisième question. Troisième question. Allô? Quatrième. Bonsoir, bonsoir, mademoiselle. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Allô, je vous entends mal. Bonjour, je m'appelle Janine. Bonjour, Janine. Bonjour, ça va bien? Bonsoir, Carole. Bonsoir. Je voudrais vous poser une petite question. Voilà, je voudrais savoir... Qu'est-ce qu'il me dit, là? Attends, pas bien. Carole, oui. Allez-y, Janine. Lorsque vous ne travaillez pas, Janine, comment c'est faites-vous qui vos loisirs? Mes loisirs, oui. Les loisirs de Carole. Non, je suis souvent en voyage, donc j'ai pas souvent de temps libre. Mais quand je suis à Paris, bon, j'appelle mes copines, on va manger un petit bout, tranquille, et puis voilà, quoi, rien de spécial. J'essaie de faire bout. Du sport. D'accord. Je pars en week-end aussi en Provence, j'adore la Provence. Oui. Donc voilà, quoi. Entendu, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Une autre question pour Carole, Patrice, non, ou nous passons directement à notre camarade Xavier Combes. Qui mesure? Qui mesure 85. Ouais, grotesque. Grand, ouais. Très grand, Xavier. Vous êtes c'est vous dire s'il est couillon. Comment? Et qui est linguiste? Linguiste, oui. Oui. Alors, en plus, elle déteste les linguistes. Alors, linguiste, aujourd'hui, de quoi parlons-nous, cher Xavier? Ah, j'ai divers choses à vous montrer, mais vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, nous avons parlé de palindrome. Palindrome. Palindrome, c'est un mot, une expression qui se lit dans les deux sens. Exemple, vous non, Carole. Non. Non. Ça se lit? Non. Non. Voilà. Dans les deux côtés. Laval et autres. Laval. Quoi d'autre? Bah, d'autres choses. D'autres mais choses, Carole. Figurez-vous que... Ne regardez pas sans arrêt. Regardez-moi moi, puis je vous dis que c'est l'intervention sur les palindromes est arrivée à un point nommé parce qu'en fait, il y a toute une recherche qui est actuellement en cours au CNRS et les chercheurs arrivent à la conclusion de leur rapport. Ils ont trouvé la première phrase qui a été prononcée dans le Jardin d'Éden. On va vous la montrer en exclusivité. La voici. Regardez. Voilà. Madam, I'm Adam. Donc c'est Adam qui se présente. C'est en anglais, ça veut dire... Rêve. Oui, c'est on a vu. Je oui. suis Adam. Madame Adam. Voilà, donc la première phrase prononcée par l'homme dans le Jardin d'Éden, c'était un palindrome. Ah. C'est le fruit d'une recherche très poussée par des... Tu parles, Charles. Des anthropos... Anglais. Adam était anglais. En anglais, ouais. Adam était anglais. Alors, la conversation s'est engagée ensuite dans le Jardin d'Éden, et... Adam, et je crois que son premier prénom, c'était Ever. Ouais. C'était voilà. Ever Adam. Hein. Justement, les recherches tentent à montrer que la conversation s'est poursuivie. Adam a demandé à son interlocutrice quel était son nom à elle. Et elle n'avait pas sa langue dans sa poche, forcément. Et elle a répondu, Ève. Palindrome aussi. Ève, palindrome. Ève, palindrome. Vous aurez noté, l'histoire ne dit pas si Adam était circoncis, mais Ève, en tout cas, était très concise dans sa réponse.
Oh, très joli. Ok, sinon nous avons d'autres personnes qui nous ont écrit pour nous faire part d'un certain nombre de palindromes qu'on avait oubliés lors de la première présentation. La jeune Martine de la salle Saint-Cloud nous a envoyé celui-ci qui va apparaître. Bonjour Martine. Pourquoi, oui, comment vous savez qu'elle est jeune? Elle met son âge et tout, enfin bon. Élu par cette crapule. Ah, ça marche bien. À l'envers. Et ça se lit à l'envers également. Ouais. Élu par cette crapule. Ah, couleur. Ah, ouais. Formidable. La télé en couleur. Élu par cette crapule. Alors là, pour le coup, c'est une vraie phrase. Bien vu, hein. Elle a été élue par cette crapule. Oui, c'est un bout de phrase, disons. Voilà. Oui, c'est un bout de phrase. Ouais. Oui. Sinon, un autre palindrome qui nous a été donné par Huguette Lapôtre de La Rochelle. Huguette Lapôtre. Salut, Huguette. Tu l'as trop écrasé. Tu l'as trop écrasé, César se porte salut. Tu l'as trop écrasé, César se porte salut, c'est un palindrome également. C'est une vraie phrase. Est-ce que c'est elle qui l'a trouvé, Huguette? Non, il est connu. Maintenant, je voudrais vous présenter un certain nombre de publicités et de modes d'emploi mal traduits. Rapidement. Parfois, il y a des choses qui sont vraiment... Particulièrement sur les réveils japonais, ou je me trompe? Les réveils japonais font l'objet de pas mal d'hilarité, c'est vrai. Moi, j'ai une publicité là sur une planche à découper. Déjà, pour faire une publicité sur une planche à découper... Je ne sais pas, ça mérite déjà une attention toute particulière. Je vous la lis, je vous la livre. C'est traduit littéralement du chinois. Alors, cette planche à découper, usage. C'est parfait pour vos besoins en cuisine, salle de messe, bar et pique-nique. Ça, c'est pour ceux qui font popo dans la cuisine. Oui. Spécialement dessiné pour manche et creux du jus. Et creux du jus. C'est une contrepétrie, non? Creux, peut-être en chinois. Il est poftatif. Il est poftatif. Il est poftatif. Poftatif. Ah ouais. Comment ça va? Ben, ça va bien. Et faut faire les fins. Ben, poftatif. Facile de conserver du jus. Conserver du jus en un seul mot. Facile de conserver du jus et de la liquide, bien pour couper. C'est pas mal pour une planche. Ouais, bien. C'est une bonne explication. Durable. C'est en polyéthylène de vierge. Bon, je sais pas. Ça doit avoir avec la pureté du polyéthylène de la planche à découper, je sais pas. C'est assez élastique pour couper sans dommage pour planche et pour bord des ciseaux. Et pour? Pour bord des ciseaux. Parce qu'on on utilise la planche à découper avec des ciseaux, bien entendu. Bien sûr, c'est normal. Ça paraît très particulier. C'est un jeu, mais c'est le jeu, vous êtes trompé. C'est tac, tac, planche à découper. Tac, caillou. Tac, le puits. Ah oui, le ciseau, la pierre. Ah ouais. Bon, je finis là-dessus. Non toxique, inodore et net en tout temps, en un seul mot. Net en tout temps. Excusez-moi. Net en tout temps. Net en tout temps, oui, bien sûr. Bah oui, net en tout temps, oui. Lavage régulier avec détergent ou décolorant occasionnel est assez bon pour le nettoyage. Il est hors de danger dans une machine à vaisselle. Toutefois, s'éloigner le chaleur. S'éloigner le chaleur. S'éloigner le chaleur. Maintenant... Petit mode d'emploi? Oui, un petit mode d'emploi de ballon de foot. Déjà, pour ne pas savoir gonfler un ballon de foot, il faut se lever de bonne heure. Instruction pour enfler. Eh ben, je me lève de bonne heure. C'est pas facile. La dernière fois que j'ai voulu gonfler un ballon de foot, j'ai mis l'après-midi. Ouais. Je vous mets au défi de réaliser. J'avais pas le petit tuyau pour mettre dans le petit trou. Et j'arrivais pas à pomper. Ah ouais. Essayez de faire ça. Et c'est tout. Bon, je vous mets au défi de réaliser ça, Christophe. Instruction pour enfler. Instruction pour enfler. C'est plus compliqué. Excusez-nous. Instruction pour enfler. Je vous mets au défi de le réaliser. Pour enfler. Enfler. Les directions suivantes assurent le non-coulage du R et maintiendront la vésicule de crever. Sportif. Tendez la caisse à balles en sa forme propre et rond et secouez-la pour éviter le pliage de la vésicule. Non, vous êtes sûr que c'est pour une opération de chirurgie esthétique ou un truc comme ça plutôt? Je sais pas, c'est indien. Plongez l'enfleur avec l'eau avant l'enflure commence. Tenez le nez avec les doigts. Tenez le nez avec les doigts. C'est vachement dur, c'est pour ça que j'y arrivais pas. Et insérez bien en I l'enfleur. En Y quoi, en I l'enfleur. En I l'enfleur. Dans le nez, en tenant avec les doigts. Tenez l'enfleur verticalement dans le nez, sans direction zigzag. Oh là là, c'est fort, hein? Ah ouais, c'est bien. Vous avez pu amener ballon. Moi, Roger, moi, ami. Ballon de foot indien. Bon, petit délire. Merci beaucoup, Xavier Cron. Applaudissements pour lui, mesdames, messieurs. Nous allons maintenant passer à la suite de cette émission. À un moment maintenant, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez sportive. Oh là là. Là, on va attaquer les choses beaucoup plus physiques, les choses de garçon, Patrice. Il faut pas exagérer. Beaucoup plus physique que ce qu'on fait là. Que ce qu'on fait. On va aller faire du cerf-volant avec Pierre et Simon. Pierre et Simon. Oui. Et Garfunkel, non. Non, Garfunkel n'est pas venu. Ok, allez-y, Patrice. On y va, venez avec lui. On y va. Hop. Oh là là. Allez-y. Attention. Moi, je vais rejoindre Pierre et Simon. Oh, je vous tiens, je vous tiens. Simon. Bonjour. Bonjour. Et Pierre. Bonjour. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Simon. Bonjour. Hello, Simon. Bonjour. Where do you come from? Américain. No, London. London. Au Saint-Jean-de-Mont. Non, in Vendée. Ah, in Vendée. Ok, alors, nous allons parler de cerf-volant. Voilà. Comment dites-vous cerf-volant en anglais? Kite. 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 C'est un épervier. Un épervier, ouais. C'est la même chose. Très bien.
Quand on voit un épervier, on dit « Ah, je vois un volant ». C'est le même mot. Oui. Au cas neuf. Ok, jeune homme. Pierre. Donc ouais. Moi, je viens de... de Paris. Danger, oui. Je redemande la parole. Par quoi on commence? Vous voulez pas faire voler un petit... cerf-volant? Ouais. Il faut aller vite en plus, les garçons, parce qu'on est très, très à la bourre. Alors, on vous suit. On va essayer de ne pas casser trop de projecteurs. Ouais, s'il vous plaît. On les suit, hein? Ça, c'est quoi, Patrice? Ça, on va tirer ça après. Ça, c'est pour... au sort. C'est pour se faire tirer par un cerf-volant. Allez-y. On y va, Carole, on y va. Grâce à tout à l'heure. Alors. Qu'est-ce que vous faites? Comment on se met? Il faut... coucher par terre. Ah bon? Coucher par terre? Non. Par contre, oui, Carole, non, non, Patrice, vous voulez bien reculer un peu. Moi? Oui, reculer un peu. Parce que... voilà. Bon. Carole, venez ici, venez ici. J'arrive. Attention, il y a des câbles. Attention. Je te le laisse comme ça. Attention, okay, Carole. Attention. We're off. Go. On se baisse. Attention. Boum. Oh. C'est hyper dangereux, hein? C'est sans vent, surtout. C'est sans vent, oui. Oh là là, il nous passe au ras des moustaches. C'est juste avec la force du... vous rapprochez pas trop, s'il vous plaît. Ah oui, joli. Hop. Aïe. Ouais. Sympathique, hop. Mais... Attention, c'est pour nous, ça. Ça, c'est pour moi. Je vais vous dire qu'il y a une compétition de cerf-volant les 1er, 2, 3 avril à Saint-Jean-de-Mont, dont a parlé tout à l'heure Simon. Et puis du 2 au 10 avril, il y aura Berck sur plage, sur mer. On va essayer, Carole? Ah, bien sûr. Elle peut essayer, Carole? Pourquoi pas? Elle risque de vous distraire. Vous m'expliquez. C'est quand la compétition? La compétition à Saint-Jean-de-Mont? Oui. C'est le 1er, 2 et 3 avril à Saint-Jean-de-Mont et 2 et 10 avril, il y a une autre compétition à Berck. C'est demain? Oui, c'est demain. Demain. Ah ouais, ouais. Et puis en septembre, il y a le championnat du monde, c'est au Touquet, ça. Au Touquet, Paris-Plage. Paris-Plage. Ah ouais, formidable. Attends, attention. Attention, parce que là, on va peut-être bien se planquer aussi. Non, mais je crois que ça, c'est le... Attention, Carole. Non, on va faire Carole. Allez-y, Carole. Mais ça va être hyper dur. C'est ce que je vais faire. C'est hyper dur, non? Tu essaies de il faut d'abord qu'il monte, et après... Ouais, on s'y fait partir par là. Et après, nous, on se plante. Et voilà, on tire dessus. Et je vais pas y arriver, là. On y va? Ok. Allez. Ah! Non, ça n'a pas l'air facile. C'est hyper dur. Encore un petit coup, Carole, encore un petit coup. Encore un petit coup. Pardon? Mais il faut du vent, quand même, là. Il n'y a pas de vent, c'est... Mais non, non, c'est vous qui donnez du vent. Il faut toujours... Mais elle a raison. Presque, ça. En fait, dès qu'il monte... Je vais essayer. J'arrête. Dès qu'il monte... Dès qu'il monte, un il faut laisser descendre. De garder de la vitesse et de le faire tourner. Voilà. Vas-y, montre-moi. Attention, venez. On peut mettre les doigts comme on veut. Juste à la limite. Voilà, deux doigts dedans. Voilà. Vous me dites. On y va? Ouais. Allez. Allez, pas mal. Pas mal. Celui-là. Attends, je vais réessayer. Essayez celui-là. Je vais réessayer. Celui-là, s'il part, ça, c'est formidable. On va souffler. Ah oui, mais j'ai pas assez de fil, j'ai pas assez de fil. Hein? Là, il y a du fil. Ah, c'est comme ça, oui. Voilà. Et alors? Voilà, et puis... Et quoi? Regardez, facile. C'est un trucage, il y a du monde. Non, c'est un petit trucage. Ouais, c'est un trucage, c'était pour. Mais c'est difficile, hein, c'est difficile. Non, c'est difficile. Très difficile. Ouais. On regarde ça, Simon? Oui. Ou... Ah, pardon. Pourquoi pas? Excusez-moi. Vous voulez qu'on. La pub, vite, Patrice, la publicité doit venir. Très vite fait, alors. Très vite fait. On se met ça là-dessus. Aïe. Vous prenez. On prend ça. Le cerf-volant, comme ça. Là. Voilà. S'il y a quelqu'un qui veut jouer au cerf-volant. Ah là là. Et là, vous avez un cerf-volant, en principe. Le cerf-volant avec les mains et la direction avec les pieds. Et vous êtes un cerf-volant, ça. Ah, les pieds, Patrice, tourne. Voilà. Oui. Ah oui, on tourne. Voilà. On est pas mal. On dirait Jean-Bouchon. Attention, tournez. Ah, la caméra. Celui-là. Ah, ça, c'est sympa. Hein. Ouais, ça, ça doit être sur une grande plage à marée basse, ça doit être fantastique, ça. Où est-ce qu'on peut faire ça? On dépasse les 100 km par heure quand même. Hein. Bon, avec plus que 2 minutes d'entraînement. Hein. Oui, mais avec un gros cerf-volant, 100 à l'heure. Ça dépend le vent. Entre. Tirez. Tenez bien, Patrice. Entre. 2,50 m et 5 m². Ah ouais. Allez. Jouez. Hein. Faut tourner. Tournez, Patrice. Un peu plus de... Vous tournez. Ça
pour leur cerveau. On peut leur mettre ça vite fait. On n'a rien cassé ? Excusez-moi les gars, excusez-moi. On n'a rien cassé ? Non, rien cassé, on a tout remis quasiment comme c'était. On en prend d'autres, hein, en faisant du buggy. Ouais, excusez-nous. Voilà, merci beaucoup les garçons. Merci. Publicité. Merci. Publicité. Alors, c'est la pub, ah ouais, avec Christophe. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au sein de la Maison de la Radio avec Carole qui est avec nous. Et nous allons jouer, Carole, immédiatement au mot interdit. Le mot interdit étant un jeu auquel nous allons jouer. Absolument. Et le mot interdit, c'est, nous allons appeler quelqu'un, nous allons dire, monsieur, il y a un mot interdit, et ce mot interdit, nous allons essayer de lui faire dire, justement, pour qu'il soit plus interdit. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, on va appeler des magasins de lingerie. Lingerie. Premier mot, Patrice. Premier mot, on peut dire baleine, ça vous va, baleine ? D'accord. C'est pour tenir c'est les... C'est soutien-gorge. Pour mettre sous le soutien-gorge pour faire... C'est pour mettre dessous. Remonter la poitrine, oui. Qu'est-ce que vous pouvez vous préférer? Je sais pas. Baleine, oui, on est obligé de prendre baleine, un bonnet, soutien-gorge parce qu'on va être agacé pendant un quart d'heure encore. Ouais, soutien-gorge, ça va être... Ah oui, enfin, Bon, baleine, baleine. Baleine, c'est bien. Donc vous nous aidez, on va lui poser des questions, on va lui dire pour qu'elle dise. D'accord. Madame, et on lui explique qui on est. Oui. Allô, Bacalin, j'écoute. Ah, bonjour madame, je suis au Bacalin. Oui. À Strasbourg. Oui. Ce qui est un magasin de lingerie et non pas, évidemment, de saucisses, vous pensez. Carole est avec moi, madame. Bonsoir Carole. Bonjour. Bonjour et bonjour. Et Patrice. Bonsoir. Madame, êtes-vous prêt pour le jeu du mot interdit? C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, nous allons... Quel est votre prénom? Ginette. Thérèse. Alors, Ginette. Ginette. C'est... Oui. Alors, Ginette, vous occupez, n'est-ce pas, d'un magasin de sous-vêtements. Ce n'est pas moi, c'est ma belle-fille. Ah, c'est votre belle-fille. Ah, vous occupez pas de ma... Pas de problème, on a parlé des belles-mères aujourd'hui, vous tombez bien. Ah bon. Alors, Carole, une question pour Ginette. Une question. Est-ce que vous faites partie d'un groupe écologique? Ginette, non. Un groupe de défense des animaux? Non. Vous savez qu'il y a des animaux qui sont en voie de disparition, vous savez? Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça, Ginette? Quoi donc? Qu'il y a des animaux qui sont en voie de disparition, des races d'animaux. Oui, il y en a beaucoup. Genre, ouais, lesquels? Des oiseaux, je ne sais pas. Par exemple, c'est vrai, il y a des oiseaux. Qu'est-ce que vous vendez comme sous-vêtements le plus dans la journée, madame? C'est des sous-vêtements féminins, ici. Oui, donc dans la journée, qu'est-ce que vous vendez le plus? Des culottes? Des soutiens-gorge, armature, sans armature. Carole est spécialiste, hein. Un peu de tout. Oui. Quelle est la différence entre un soutien-gorge, on en parlait hier, structuré et un soutien-gorge déstructuré? Structuré, il a des baleines. Il a perdu. Pardon? Vous venez de dire baleine, madame. C'était baleine. Ah bon? Ah oui. Mince. Flûte. C'est dommage. Ah oui, c'est dommage. Pourquoi? C'est dommage. Parce que c'était le mot interdit. Oui, si vous n'aviez pas dit baleine, vous partiez pendant un mois et demi... Quelque part. En banlieue nord. Alors attendez, il y avait combien de temps qu'elle avait joué? Il y avait 1 minute 25, 35, 45, 55. Qu'est-ce qu'on dit? On avait dit 1 minute 30, c'est 1 minute 30. Elle a gagné? Mais non. Bah, si. Bon, elle a gagné. Elle a gagné. Maître Fignas, vous noterez que pour la semaine prochaine, ce sera 1 minute 30. Alors. Car si nous, on savait que c'était 1 minute, car vous allez partir, Ginette, vous avez une personne de votre choix? Comment? Pour partir où? Vous n'allez pas changer la personne en fonction que ce soit en fonction de la destination, je veux dire. C'est à Strasbourg. Oui ou non? Avez-vous une personne de votre choix? Ginette. Mais mon mari, voilà. Eh bien oui, par exemple. Eh bien avec votre mari, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vous allez partir une semaine pour deux. Carole, dites-lui où? À Ginette, celle qui rit quand elle rigole. Alors, nous vous offrons un séjour d'une semaine pour deux personnes en Grèce sur l'île de Corfou avec Eliade. Vous serez hébergé au club Messangi Beach. Et pour découvrir les fonds marins, vous recevrez deux équipements de plongée Cavalero composés de combinaisons. Ginette, j'imagine tout de suite Ginette avec une tout bouteille, ce matos. Une ceinture, un tuba palme, Ginette, un détendeur et un masque. Ginette, voilà. Vous aviez l'habitude de faire de la plongée? Non, pas du tout. Eh bien, va falloir apprendre. Eh bien, oui, ce sera le moment. Au revoir Ginette, à bientôt, vous bougez pas, on prend toutes vos coordonnées, vous nous envoyerez une carte postale, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Merci Ginette, au revoir. Patrice. Allez, le truc de... Ah oui, le truc de Bernard, le bouchon qui flotte et qui colle. Moi, j'ai une idée. Voilà, alors pour le faire flotter au milieu, si on le mord. Vous n'avez pas eu le temps de chercher une solution? Bah si, bien sûr, on n'a fait que ça, vous avez bien vu. Oui, ça fait le mord. Et si on met du sel, du truc comme ça? Il suffit de rajouter de l'eau. De rajouter de l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bord. Limite, exactement. Ramor. Au-dessus du bord même.
Oui. C'est que l'eau peut monter au-dessus du bord. Hein. Voilà. Là, elle y est. Et là, vous allez voir que le bouchon va s'orienter vers le centre. Parce qu'il n'y a plus de bord. Parce qu'il n'y a plus de bord. Alors, quelle est cette loi physique ? Eh ben, c'est tout simplement que lorsque le verre est rempli à moitié, la forme de l'eau dans le verre est légèrement comme ceci. Concave, convexe. Convexe, voilà. Donc, ce qui fait que le bouchon... Convexe ou qu'on irrite ? Oui, voilà. Donc, le bouchon vient à l'endroit où il y a le niveau d'eau le plus élevé, c'est-à-dire sur le bord. Alors que là... C'est le contraire. C'est le contraire. Mais comment sait-il que c'est le niveau d'eau le plus élevé qui est là ? Bah parce qu'il est attiré, parce que c'est une histoire de pression, tout corps plongé dans un liquide, on sort tout mouillé, tout ça. Voilà, exactement. Ah ouais. Eh bien écoutez, Bernard, bravo, c'est un petit pari de bar, en tout cas sympathique, applaudissements pour Bernard. Rapidos, Patrice, où en sommes-nous ? Oh là là, c'est Hollywood ce soir. Bien. Où en sommes-nous ? Le monsieur témoin qui va venir d'ici quelques instants. Un jeu de cartes dedans. Les témoins. Mais cette fois-ci, c'est un jeu de cartes avec des lettres. Vous jouez, Carole ? Ouais, je joue. Vous jouez aux cartes ? Oui, de temps en temps. À quoi ? 8 américains. Ah oui, soft. Soft, oui. Pas des pokers en diablé. Non, poker. Non, de temps en temps. Le poker menteur, tu connais, non ? Ouais. Sympa. Ouais. Ah si. Bien. Donc ce sont des cartes, cette fois-ci, non pas des cartes à jouer d'ordinaire, mais disons des cartes avec des lettres imprimées dessus. Je vais les distribuer comme ceci et vous me dites stop quand vous voulez. Vous me dites stop quand vous voulez. Ah pardon. Ok, stop. Stop ici. Quand vous voulez. Donc on va, à partir de l'endroit où vous avez dit stop, on va distribuer 4 colonnes de cartes, comme ceci. De 4 cartes. De 4 cartes. Carole, je vais vous demander tout simplement d'imaginer que ce soit un tapis. Vous enlevez votre main d'ici, vous. Là, Carole. Non, ouais. Non, vous allez replier soit le tapis comme ceci, c'est-à-dire vous prenez toute la rangée qui est là, vous la main, soit comme ceci, soit comme cela, ou soit comme cela. Exactement comme vous voulez. Et jusqu'au bout. Non, d'abord, une mais fois. Mais je ne retourne pas. Hein. Non, si, vous les retournez. Comme ça, alors. Oui, allez-y. Très bien. Donc, celle-là aussi. Voilà. Maintenant, vous pouvez plier soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Voilà, très bien. Maintenant, vous pliez une fois comme ça ou une fois comme ça. Toutes ? Non, un seul paquet. Non, tout paquet. Elle avait raison, Bernard. Oui, voilà. Et encore une fois. Une seule fois. Attention. Voilà. Ce qui fait que là, vous avez obligatoirement des cartes face en l'air et des cartes face en bas. Oui. Hein? Vous êtes d'accord que vous avez dit ce qu'on voulait ? On a pris 12 cartes au hasard. Mm-hmm. Il y a des cartes qui sont face en bas. Ici, il y a d'autres lettres qui sont face en l'air que nous allons enlever. Voilà. Toutes les cartes ici sont différentes. Ici, il y a 6 cartes, 6 lettres. Ces 6 lettres, si on regarde bien, il y a un C, c'est pas vrai. Il y a un A, il y a un R, il y a un O, il y a un L. Je sais que le E est facultatif, mais je vous l'ai mis quand même. Merci. Voilà, Carole. Il n'y a pas de... Bravo. Super. Magnifique. Hein. Balèze. Merci. On dirait qu'un mot, balèze. Bravo Bernard. Très bien. Bravo. Patrice. Allez, Mucci Maillé. Dis donc. Mucci Maillé, je vous dis ça comme ça. On va partir au Zaïre avec un peu de danse. Ah, magnifique, magnifique. Danse zaïroise, danse africaine zaïroise. Donc là, ça va Zaïre. Ça va Zaïre. C'est Mucci et sa troupe qui organisent d'ailleurs un festival des écoles de danse africaine. Ça a lieu du 6 au 8 avril au théâtre Maurice Ravel à Paris. Ah, au Maurice Ravel, hein, à Paris. Théâtre Maurice Ravel, quand le 12e. Le 6 au 8. Du 6 au 8 avril. Mesdames et messieurs, nos amis zaïrois.
Magnifique, Patrice. On peut y aller, oui, bien sûr. C'est que Mucci. Mucci est ancien danseur soliste du Bonjour, du bonjour, national, bonjour. Du Enchanté. Bonjour, mademoiselle. Salut les gars. Parole. Mucci. Mucci est ancien soliste du ballet du ballet national du Zaïre. Hein. D'accord. J'étais longtemps danseur du ballet du Zaïre. Alors, je me retrouve en France et je continue à danser. Voilà, magnifique. Voilà. Hein. C'est extrêmement physique, évidemment. C'est très. Ah ouais, ça... C'est difficile, évidemment. Non, c'est pour aider les timides à danser. Ah ouais, c'est ça. Bien sûr. Ouais, tout à fait. On apprend à danser à ceux qui veulent. Voilà. Alors, les danses que nous pratiquons, c'est les danses de l'Afrique centrale. Alors, on danse la tête, les épaules, le buste, le bassin. Le bassin pour l'amour, évidemment. La tête pour l'intelligence. Les épaules pour la grâce. Le buste, la guerre, le guerrier, si vous voulez. Ouais, non, alors, voilà ce que nous allons faire. Pardon ? Ce que nous allons faire. Qui est nous ? Moi. Tu es en train de vous parler, notre ami. Carole, c'est pour vous. Ah, Carole, non, quelques morceaux de danse. Oui. Vous voulez jouer avec vous, hein ? Bien sûr. Vous voulez jouer avec tous les trois, tous les trois. Dis donc. Allez, hey, le paquet, hein. Ah, et lui, après. Elle danse bien. Patrice, vous avez dit la date. Au revoir, Patrice. Merci. Au revoir, les gars. On est en train de se quitter. Au revoir, Carole. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Soyez heureux. Sortez couverts. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.